Allez. Je vous expliquerai en chemin. Oh, mange, mange, la description faite par Ratma du rituel était dure à comprendre. Et les notes d'Elias ne veulent pas mieux. Mais... Re. Comment parler à ma mère à nouveau. Re. Ouais. On a tous les deux mangé du coup. Maintenant on est là jusqu'à 20h. 03. Jusqu'à 20h03 parce qu'à 20h04 on s'en va quoi. Ah, il y a midi les zouzous après. Ouais, c'est ça. Il y a minuit plutôt. Il y a minuit les zouzous. J'avoue. Il y a Olivier Toms, Jeanne et Cherge. Que des trucs de jeunes. La brise, en provenance du lac noir. La sentez-vous? Dépêchons-nous. Allez. Bah moi-même que je mange une glace. Voilà. Je savais, t'as me sucer. Ah, suceur, va. Ah, je suis en train de réanimer la daronne à l'autre qu'on a tué là. Ah bah tu vois. T'en es là où j'étais. Ouais. Mère. Avec un acte de plus de fée. Tu m'entends? Mon rossignol, c'est toi. Vas-y, elle m'énerve la miniature. La vidéo. Allez, laisse-moi passer, que j'aille lui casser la gueule au boss après. Je sens le glacial me transpercer les os. Toi, tu l'as fait à quel level? T'étais 14. Moi, j'y suis, je suis 25. Ça va. Ça va. C'est potable. Vous êtes la dernière à visiter mon sanctuaire. Ouais, on s'en bat les Parce que moi je l'ai fait au vrai level quoi. Non. Une nouvelle arme, je suis en full jaune maintenant. Moi j'ai fini l'arc ou tel, hein. J'ai eu deux légendaires. Ah, parce que là quand je bats le boss, c'est la fin de l'arc 1 là. Ouais. Ah, d'accord, bon, nickel. Je crois. Hein. Parce qu'il y a eu marqué fin d'acte. Ou est-ce que dans tes quêtes principales, t'as toujours une quête acte 1? Ah, je sais pas, je me fais agresser par tellement de mobs. C'est quoi le raccourci des quêtes? Tu fais M et tout à droite t'as un petit truc. Tu fais Q et t'as les quêtes. Hmm. Dans les principales, normalement il y a marqué acte 1, acte 2, acte 3 et après des quêtes. Ouais, j'ai plus, je suis à acte 2 là. Ah bah nickel alors. J'ai bientôt fini l'acte 1 du coup. Pour attaquer l'acte 3. Parce que nous on est logique. Mais là j'ai des bons sorts, j'ai des bonnes armes. Qu'en vrai, ça
va le faire. Moi c'est mon de c'est de mon level, mais j'ai l'impression que ça peut rien. Ah ouais. Bah moi aussi c'est de mon level vu que ça se met à ton level. Moi les mobs là ils sont 25 quand je les attaque. Okay. Je vais vérifier ça aux prochains années, aux prochains ennemis, mais normalement oui ils sont 25. Enfin peut-être 23, 24, un truc comme ça, mais. Non 24 ouais c'est ça. Et là maintenant que j'ai débloqué mes invoques. Oh! Un léger. Oh. Oui, je te dis, t'as un léger et après tu reparles à la meuf et il te donne une amulette. Ah non, mais là j'ai chopé un léger en tuant un mob. J'ai pas encore parlé à l'autre meuf. GG. J'aime bien ça. J'avais 3 léges dans mon stuff, j'en ai plus que 2. Tellement j'ai chopé des trucs mieux qui étaient pas léges. J'en suis encore à détruire les tumeurs de haine là. Ok. D'accord, je vais réussir à avoir fini l'histoire en une journée. J'aime trop le jeu. Je sais pas si j'aurai le temps de monter plusieurs persos, mais déjà celui que j'ai, je kiffe. Hein. Mais merde, il n'y avait pas d'autres trucs là. La loose. Bah elle est où la dernière tumeur alors? Je me dis, n'empêche, t'imagines si un jour ça existait des décors comme ça, mais en vrai. Tu sais, genre, c'est, t'as des mobs comme ça et tout. Tu vois, dans des cathédrales, c'est des bouts de cerveau partout là. C'est pas mal. Moi, je vomis 15 fois, frère. Je tombe, je meurs à force de vomir. Sartek la déco. Ah ouais. Bah, je suis baisé là, comment j'y vais? Ah peut-être par là. Je me dis les mecs qui ont designé les zones là, j'aimerais bien voir leur déco de leur baraque. Alors ouais. Hein, la salle de bain, l'hémoglobine, sympathique. J'ai fait ma cuisine en rouge sans... Ouais. Oui, toi tu l'as fait en rouge, oui. En plus, je l'ai vraiment fait en rouge. Bah oui. Je dois aller chercher Donan. Moi, bon, en vrai, j'aimerais bien me faire, tu vois, la pièce là que je vais avoir pour faire mon petit studio. J'aimerais trop me faire un, tu sais, une peinture sur les murs en mode Waven. Ah bah ça c'est risqué par contre parce que faut que t'aimes Waven jusqu'à la fin de ta vie quoi genre... J'aime l'argent donc j'aime Waven. Ok. Bon bah après tu le truc aussi c'est que si tu fais un décor Waven, bah si tu vas sur autre chose t'es baisé tu vois. Wow. Pas vraiment. De toute façon en vrai de vrai, je pense qu'en live si on veut y arriver je pense qu'il va falloir qu'on fasse que du Ankama. Hein. C'est le seul endroit où on a de la commu alors... Tu veux faire quoi d'autre?
Ah, tu sais que j'ai Nox en figurine, moi, en Kama. Ah ouais? Ouais. Je te montre après, après. Mais j'ai Nox, hein. Et il y a encore sous blister, jamais ouvert. Hein. J'ai Tristepin aussi. Je sais pas si ça vaut très cher, mais tu sais, c'était les figurines qui avaient sorti en Kama. Là, j'ai envie de me taper un délire, j'ai envie de me retrouver, tu sais, toute la collecte complète des cartes qu'ils avaient sorti là, le TCG. Ah oui. J'aimerais bien. Mais ça, avoir. C'est rare, hein. Ouais, j'avais vu sur des groupes des mecs qui en vendaient. Pas très cher en plus, hein, parce que bon, bah ça vaut rien, hein, c'est pas comme Pokémon, quoi. Mais j'aimerais bien juste histoire de les avoir, tu vois. Moi, ce que j'aimerais trop, c'est payer un gars un jour. Payer un gars carrément. Je suis ouais, là, tu peux me payer, vas-y, paye-moi. Allez, let's go. Non mais c'est un payer un artisan hyper doué hein. Même si t'as payé 1000 balles tu vois. Mais qui me fasse un Eliacube taille réelle avec vraiment les lueurs et tout. Non mais ça frérot on n'a pas besoin de payer hein. Tu sais que j'ai deux imprimantes 3D moi hein, qui attendent d'être montées quand je vais être à mon nouvel appart là. Moi je t'en fais en, ouais. On en fait en résine, il suffit juste d'arriver à le modéliser et moi je peux te l'imprimer hein. Je veux trop bien hein. Moi ah, ouais. Eliacube ce serait insane. Là j'ai acheté les anciennes de. Enfin les anciennes. Celles qu'avait acheté Cap, je vais lui racheter, elles sont toutes neuves. Il y en a une, il a acheté toutes neuves, il s'en est jamais servi. Il a payé 300 balles, moi je lui ai acheté les deux pour 200 balles. Avec de la résine et tout. Bah ouais, j'attends de. Ça fait ouais bah depuis son anniversaire que je les ai, mais je les ai pas montés parce que je savais que je déménageais. Donc j'avais flemme de les monter pour les redémonter. Mais j'en ai deux, hein. Imprimante 3D en résine, donc ça après on pourra même se faire. Parce que j'ai trouvé des fichiers de figurines Wakfu en 3D et tout. Je pourrais même nous faire des petites figurines et tout. Super, les Dofus. Bah ouais, bah genre, tu sais, on fait un tournoi. Un tournoi PVP ou Wakfu ou Event, je sais pas quoi, bah on pourra même se faire nous-mêmes bah, la coupe. Ouais. Et elle nous coûtera genre bah, juste le prix de la résine quoi. D'accord, merci. Merci de ta participation. De rien. T'as ruiné ma soirée là. Franchement, nul. Hein. J'ai reconnu la musique et du coup, je me suis dit, oh, j'adapte pas. Ah, je suis en train d'affronter la mentation de Lilith. Ben, elle a pas la même gueule, de toute façon, Lilith, que dans la série Lucifer. Hein. Non. Oh là là, mes invoques, c'est un délire. Ah, je me rappelle de ce boss-là dans la bêta. Je sais pas du tout comment je fais ça, mais à des moments j'ai des orbes d'immunité, je ne comprends rien du tout. Ça doit être depuis que j'ai équipé l'amulette Lège, je crois. Peut-être, faut regarder les effets. Chez, tu peux pas nous attaquer, hein. T'as la haine, hein. Ça se trouve, je suis en électrique alors qu'à un moment donné, je vais partir en glace, tu sais. Bah, peut-être, hein. Ça dépendra des items que tu chopes ou des nouveaux sorts que t'auras. Et regarde, moi, je jouais bien qu'une seule arme et maintenant, je joue deux, hein. Parce que c'est beaucoup plus efficace, quoi. Là, je joue full électrique, après, je verrai comment je stat.
idée. Oh, petite jambière légendaire. Ah, il y a mon pote Fantasy Ange qui joue là. Accompli le haut fait légende vivante. Alors, on n'est pas dans la même catégorie là. Non, moi je suis dans la légende mourante. Tu sais, c'est mon pote là, tu sais, qui a 1 million d'abonnés là sur YouTube. Ouais. Il joue apparemment. Excuse-moi, à ce moment-là, ce n'est plus un pote, c'est une star. Hein, donc, s'il te plaît. T'appelles pas comme ça. Hein. Ah d'accord, il est au 49. Cap, il est 35, toi t'es 15 et moi je suis 23. À partir de 1 million d'abonnés, est-ce qu'on a le droit de violer des enfants? Tu sais que j'enregistre pour mon let's play là, frérot. Et tu sais que t'iras bien niquer pour que je fasse un cut, hein. Non mais je demande parce qu'avec avec Norman tout ça, tu sais, à partir d'un million d'abonnés, Norman, ça commence à devenir bizarre. Ah ouais, là, il sort des bails en plus. Là. Encore une amulette. Tous les youtubeurs, ça devient lambda, tu vois. Ouais, et évite de sortir trop des dingueries quand même. Je savais pas, moi. Bah frérot, tu sais, je te l'ai dit en plus tout à l'heure que mon but c'était de rusher l'histoire pour sortir toutes les vidéos. Bah oui. Bah voilà. Donc tu te doutes bien que là je joue en off. C'est pas pour tout refaire à côté. Mais pareil, tout à l'heure t'as parlé de ton père, tout ça, ça t'a pas gêné? Non, ça va. C'est intime quand même. Ouais, mais c'est trop loin dans la vidéo, personne regardera. Ouais. Alors que là on est à 10 minutes de vidéo, il y a potentiellement des gens qui vont voir ta dinguerie, tu vois. Ouais, ils savent pas mon nom. Ils savent pas qui je suis. Et Cartler. Ah. La chaîne est carrée beaucoup. C'est beaucoup ni le. C'est le graphiste de. Merde. Comment il s'appelle déjà? Skyheart. Skyheart, voilà. Travaille pour Skyheart, le gars qui dit des dingueries comme ça. C'est. Drame à faire. Drama. Drama Queen? Est-ce qu'on a encore le droit de dire en 2023, est-ce qu'on a encore le droit de dire Drama Queen? Non. Drama King? Ou est-ce qu'on doit dire Drama Kiel? Je sais pas, mais chut, je suis en cinématique. D'accord. Ah, je me rappelle de cette cinématique dans la bêta. Je ne sais pas si tu aurais choisi. Donc du coup, vu que je m'en rappelle et que la vidéo est déjà sur la chaîne de ça, bah les couilles. Non. Ouais, je me suis dit, j'ai pas besoin d'y poster du coup. Alors du coup... Si, je poste. J'ai un haut fait aussi. Ah ouais, c'est ma première bague. Le plus gros violeur de Paname, c'est ça. Moi, je suis tous les boobs de Paname. De quoi? T'as pas la ref? Non. Mohamed Denis. Ah oui! Oh putain. Oh là là. Je peux lui dire à cet enfant. Clairière du Buceron. J'ai eu deux lèvres là. Une jambe et une amulette. Merde, j'ai enlevé le... Je t'entends pas si tu parles, hein. J'ai débranché mon casque. Voilà. Là, je t'entends. Bah moi, je veux pas t'entendre. Eh ben, t'es pas grave, tu m'entends quand même. D'accord. Alors, où c'est qu'il faut que j'aille maintenant? Putain, faut que je reparte tout là-bas. Et après, genre, j'ai terminé l'acte 1. Oh, c'est fou ça. C'est fou ça de terminer l'acte 1 avant l'acte 2. C'est fou ça. Non, c'est l'inverse. Terminer l'acte 2 avant l'acte 1. Ah. Pourquoi t'as pas fait l'acte 3 sur le soir? Moi, je suis quand même faire le début avant de faire la fin. Vous avez battu Lilith et dans l'acte 1. Oh, on sait qui c'est la méchante. Mais je l'ai tué 2 secondes avant.
Uh-huh. C'est bizarre ça quand même. Ça a ressuscité. C'est ça. Je vais être le seul mec au monde à avoir fait la fin du jeu avant le début. Oui. Les gens ils vont rien comprendre, ils vont dire mais j'ai reculé dans de l'espère. C'est ça. Je n'ai pas assez. Des pétales, où sont les pétales? Et j'ai bien dit des pétales. Il va mourir tout seul de sa connerie. Oui. Il faut que j'aille voir sur Wakfu, j'ai refait l'HDV là de tout ce qui restait. Voir si j'arrive à. Si ça a vendu un peu là, des trucs un peu chers là. On a des millions de camas. Viggo voulait que vous ayez ceci. Merel. Elle était venue. Ouais, niveau 26, allez. Quête terminée, volonté de la lumière. Acte 1, terminé. Ok. Ah oui, je viens de voir. Dynamo a accompli un haut fait. Acte 1, nanana. Tu sais que ce pseudo, il me casse tellement les couilles, mais je peux pas le changer. Ah, c'était pas une lumière. Non, parce qu'il faut payer, Dynamo, j'ai la flemme. Pas. Et fais la demande pour rejoindre la guilde, là, que je te mette dedans, comme ça, c'est fait. Oui. Comment il faut que je fasse alors? Attends. Clan. Rejoindre un clan. Et c'est quoi le nom? Fatalist Corp. FTS dans les trucs de raccourci. J'aille où maintenant pour la suite de la quête? Hein, il faut que j'aille tout là-haut. Tu me dis quand tu fais ta demande. J'ai fait la demande. Je suis en chargement, t'attendras. Bah ouais, j'ai fait la demande. Je me demandais de faire la demande, mais je fais la demande. D'accord. Le con qui m'a demandé. Normalement, si tu regardes dans la description du clan, tu devrais reconnaître la phrase que j'ai mis. Qu'est-ce qu'il a mis? Bah attends, et comment je t'accepte? Viens des cons de ta mère. Tu m'as une, je viens de voir. Bon, viens des cons de ta race. T'as rejoint là le clan? J'ai demandé à rejoindre, après faut que tu m'acceptes, banane. Bah ouais, mais je crois que j'ai validé ta demande. Je crois qu'il faut que tu l'acceptes maintenant, ou un truc comme ça. Non? Ah ouais. Je crois, hein. Clan. Ah oui. Ouais, Cartler. Faut que j'accepte l'acceptation, c'est quand même un peu con. Ah ouais, merci, on me respecte là. Ouais, t'es officier. J'étais membre pendant 2 minutes là. Je sais absolument pas à quoi ça sert, mais je sais toujours pas à quoi ça sert, hein, les guildes dans le jeu, mais elle est là quoi. Bah, on est là quoi. C'est à peu près ça. Hein. Ça... Il y a un événement, compte de ta mère. Elle vient des comptes de ta mère. Oh. Où est l'entrée? C'est pas difficile ça.
Le gars il a sorti Astrub quand même. J'avoue. Oh un caillou. Débloqué. Niveau 16. Oh, j'ai tellement été intelligent. Viens des coins de ta mère. Ouais, il a réussi à rentrer. Dans ta mère? Bah, peut-être. Ah mais... Allez, on se dirige vers l'acte 3, la fin de la quête. Je pense pas que ce soit la fin du jeu quand même. Pas la fin du jeu, la fin de l'histoire. Arrêtez de crier, genre on dirait que je vous fais mal. Ils sont là. Calmez-vous, mourrez en silence, ouais. Ouais, bon, je viens de tester une nouvelle attaque et ça pue sa merde. Moi, j'ai des attaques bien là en vrai. Viens des cons de ta mère. Quand je vois, on empêche toutes les zones avec tous les donjons et tout qu'on va devoir faire à... en endgame là, on va s'amuser. Hein. Ouais. Thank you.
perso commence à avoir un peu de vie là. 540, ça fait plaisir. Ça c'est nice. Et encore, hein, comme moi, je dis, toujours, hein. je mets les items comme ça, genre les, je mets les runes à la va-vite, je cherche pas l'opti pour le moment. Ouais. Quoi, j'ai encore enlevé un sort là? Putain, mais c'est quoi ce délire? Je n'ai pas assez de fureur. Ouais, ça devient chaud là où je suis. Hein. Ouais. Ouais. T'as l'acte combien de 3 toi? Je sais pas. La quête principale que tu fais, il y a marqué quoi? Acte 2. Je regarde jamais moi, je c'est dans mes petits machins. 2. Exhumer les oubliés, c'est temps. Tiens, moi, il y a des ennemis partout, frère. Acte 2, exhumer les oubliés. Ah ouais. Ça va. Moi, je fais bien ce que je m'en dis. De sac sur le dos, on dirait gare. Ah ouais, ouais. Moi j'ai un bébé loup sur le dos. Un bébé loup. Bah oui, c'était le truc de Pleco là, apparemment on avait un bébé loup. Il sert à rien, hein. Juste il est posé, il est là quoi. Il est là. Il t'a bien hein. Ouais c'est ça hein. Bah, t'es là ou t'es pas là? Oui oui, il est là. Vas-y, j'en ai marre, y'a trop d'ennemis là. Oh, mes invoques, c'est tellement pratique. T'as pas d'invoque toi? Non, j'ai pas d'invoque. Ah, moi j'ai débloqué les miennes là. Cette zone, il y a trop de mobs, frère, faut arrêter. Il m'a one shot. Mort. Bah alors là, oui. J'étais full life, j'ai vu une attaque où il chargeait son pied, je me suis dit, bon frère, il me fait rien depuis tout à l'heure, au calme. Et bah moi, il m'a one shot.
Et d'un coup, écrasé, le pied m'a traversé la gueule. Et du coup, j'ai dit, bon, bah finalement, ouais. Il fait pas rien. Et d'un seul coup, il m'a amené en Chine, en fait, le mec. Ouais. Putain, mais moi, je passe par 50 000 maps pour trouver la quête. Et je sais pas si je vais dans la bonne direction. Ça a l'air. Oh non. Nique sa mère. Je marche depuis tout à l'heure, c'est pas la bonne direction. C'est con. Oui. Pas la bonne quête, pas la bonne direction. Bien, c'est petit. J'ai testé un truc il y a pas longtemps là sur la chaîne, c'est un format question là sur l'espace communauté. Et je crois que c'est la première fois qu'on a autant de réponses et tout dessus. Ah ouais? Ouais. Ça a plutôt bien marché, plutôt ouais. Bien plu. Ah, je suis sur la map là, il y a. Là, je sais pas combien de mecs avec moi là. Je sais pas ce que j'ai activé, hein, mais il y a des mobs de partout. Ouais, j'ai jamais aussi vite monté en XP là. Ouais. Il y a d'autres joueurs sur la map là. Alors, je sais pas si c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup plus d'ennemis. Mais waouh, tous les ennemis qu'il y avait. Ah, mais c'est pas fini, d'accord. Il m'a encore one shot, mais non, mais sans déconner. Mais je suis en remords. Non mais je passerai pas là. Je vais pas passer, je te jure. Change tes spells peut-être. Peut-être pas les bons. Moi tout à l'heure j'arrivais pas au gros boss là et j'ai changé mes armes et ça allait mieux après. Et mes spells aussi, j'ai refait tous mes sorts. La longueur du chemin pour aller à l'acte 3, c'est n'importe quoi, frère. Je crois que c'est sur la bonne route. Ah, une ville. Oh putain, enfin.
c'est bon, j'étais à la bonne, bonne direction finalement. Ces parasites s'imaginent qu'ils peuvent prendre nos terres comme. Et ma direction. Nous devons souvent. J'ai pété les plombs, on est ni baissé les bras. Manger des rats, oui, c'est très bon. Parce que baisser les bras, c'est pas très ouf pour attaquer, ouais. J'avoue. Est-ce qu'il y a un fucking coffre pour que je puisse ranger toutes mes merdes? Et bien sûr que non. C'est ouf le nombre de gemmes que je chope, moi. Yes, je viens de débloquer un Rasengan. Rasengan. Ouais. J'ai QB les gars. Let's go. Wow. Je ne suis pas prête. Et qu'à chaque fois que les PNJ ils disent une femme cornue, ça me rappelle le sketch de Roman Frécyné là. Oui. Un mec cornu a débarqué dans nos institutions. Voilà. Du coup, ce passage sera rajouté au montage. Bien sûr que non. Et bien sûr, il sera rajouté parce que c'est Ecart qui va faire le montage. Bien sûr, bien sûr. Spoiler alert, jamais il sera monté. Très bien. Si. Ah bon. Dans pas longtemps, en plus, je te le fais hyper vite. Ah ouais. Ouais, je te le promets. Ouais. Dans un mois, tu l'as, ouais. Ouais. Non, 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 non. Ah, une autre ville! C'est bien ça! Ah, mais en fait, ma quête, elle était dans une ville, ah ouais! D'accord! Bah les couilles, frère! Bah les couilles, hein, vraiment! Bah les couilles! Hein. Bah, 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 bah. Les couilles! Il est complètement ravagé! Ouais! Il est siphonné du barboulot, lui, hein! Du marboulot, d'accord. Eh bien, il respire encore. Il a de la chance. Ce vieillard là. Oh les bâtards. Oh les bâtards. J'ai pris un truc de sphère de vie, je me suis dit, ah, je vais me remettre bien. Je me suis fait encercler par 60 000 personnes et finalement j'ai moins de vie qu'avant. Oh, t'as pris un totem de Vita? Ouais. J'ai dit c'était vachement bien. Mais maintenant je suis quasi mort. Non, aucune. Ne péter les plombs, abandonner, lui baisser les bras.
J'ai écrit au... Qui aurait-il? Attends, il est où le cercle de TP là? Il est là. On le prend le cercle de TP, monsieur. Évidemment. Là, tu fais combien en dégâts? Oula, je... sur le mon perso, attaque, je suis à 457. Ok. Je sais pas si ça, ce que ça représente, mais... Mon perso, là, il a attaque 457, armure 1645 et point de vie 560. Force 63, intel 55, volonté 55, dextérité 44. Moi j'ai 191 d'attaque, 260 points de vie et 880 d'armure. Ouais ouais, pas mal. J'ai juste 3 fois plus que toi, mais sinon ça va. Ouais, ça va. J'ai niveau 17 hein. Je suis niveau 27. Moi j'ai une attaque, elle me fait trop marrer, on dirait trop le mec dans... Je sais, alors je sais pas si c'est Marvel ou si Gardien des Galaxies, mais... Bah, c'est Marvel le mec aussi. Qui, quand il siffle... Avec la flèche il a... Ouais, voilà. Ouais, c'est le Gardien des Galaxies, mais c'est Marvel hein, dans tous les cas, donc... Ok. D'ailleurs, il y a le 3 qui est sorti au cinéma, là, je suis toujours pas allé le voir, j'ai même pas eu le temps d'aller voir Fast and Furious... Ouais, en plus Gardien de la Galaxie 3 apparemment c'est le dernier des Gardiens de la Galaxie. On aura plus après apparemment. Donc ça me fait chier, je voulais aller le voir. T'as peut-être encore le temps, non? Bah pff, le temps j'en ai pas, c'est ça le problème. Ouais. En ce moment. Bon je le verrai bien, ça c'est pas le souci, mais. Fait chier, je voulais aller le voir au cinéma quoi. Ça dépend quand, parce que s'il sortait ce soir, t'aurais eu le temps, tu vois. Ah non, mais il est déjà sorti. Ah. J'espérais trouver quelqu'un ayant vu. Il y a déjà Fast and Furious, il passe plus dans le cinéma à côté de chez moi. Faut que j'aille à celui à 70 km si je veux aller le voir. Oh putain. Et du coup, tu comprends ma flemme? Ouais. Et c'est Fast and Furious. Ouais, 70 bornes, non? Ouais, j'avoue. Le trajet coûte plus cher que 10. Ouais. C'est ça, et puis bon, la fatigue, là-bas en plus où il est le cinéma, t'es obligé de prendre le parking souterrain, donc tu payes encore. Ouais. Donc c'est casse-couille. Bon après j'ai des sites de streaming, donc je regarderai là-dessus, mais bon. Pour l'instant... Oh le mec il parle de choses illégales en vidéo, oh là là, le thug. Bon enfin, entre dire je regarde un film de streaming et sinon à 1 million d'abonnés, tu peux violer des enfants. C'est une différence quand même. Je pense que les gens ils seront faire la part des choses. Ouais, honnêtement, moi je trouve que c'est plus dur le streaming. J'ai passé les 100 000 PO. Ouais. Gloire aux nouveaux riches. Ouais. Rip à vous les gueux. Tu sais que en vrai, moi je me dis, quand Waven va sortir, moi je vais trop pouvoir gruger sur le jeu. Ah bon? Bah j'ai 2 PC. Oui. Donc je vais pouvoir jouer 2 comptes.
un que je vais monter, tu sais, juste pour faire les échanges de trucs entre guildes. Tu sais, dès que j'aurai besoin de cartes ou d'équipement ou quoi, boum, ce sera lui qui les aura. Ce serait bien ça. Ça, ça va coûter cher la durabilité des équipements là. Ouais. Ah ouais, j'arrête pas de mourir. Ah oui, bah oui. Pourri ta classe. Je te merde. Le boss de l'acte 2, je suis mort deux fois. Je l'ai battu au bout de la troisième fois. Quand j'ai refait mes spells. On verra bien. Mais toi, si tu fais beaucoup plus de dégâts que moi avec tes trucs magiques, y'a moyen qu'il arrive. Oh là 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 là. Le boss de la quête là, il pop, j'ai invoqué mes invoques là, mes trois anciens là, deux secondes et demie, plus de boss. Ça, c'est pratique ça quand même. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, puis en plus j'ai optimisé le sort, tu sais. Les sorts dans l'arbre de talent, tu peux leur donner des trucs en plus, tu sais. Ouais. Et moi j'ai tout débloqué pour mes invoques là, c'est vrai qu'ils ont, ils sont trop puissants. Ils durent pas longtemps, mais ils sont trop puissants. Alors que moi je connais des gens, ils durent pas longtemps et ils sont impuissants. Tu veux te confier, Kain, t'as quelque chose à dire? Onik. Ça fait quoi, Ekard, d'avoir de jouer un jeu qu'on a du coup pas payé avec notre argent à nous? Ça, ça fait du bien. C'est encore mieux. Franchement, ouais. Waven, là, quand on va jouer. Bah, nous, en fait, on va jouer en free to play en payant. C'est un concept, hein. Ouais. Bébé, qu'est-ce qu'il veut, l'autre tête de cul, là? Aider un truc d'un terre de pierre. Putain, mais c'est trop chaud. Je sais pas comment faire honnêtement. Je sais vraiment pas comment gérer ici. Parlez-en, enfer. Nous arrivons trop tard. Espérons qu'il puisse encore répondre à nos questions. Trouver Gendar. Ah, là il y a un totem de vie là, c'est qu'à mon avis, il y a un boss. Merci d'avoir envoyé Maître Elias. Ouais, moi aussi j'ai eu un totem de vie. J'attends juste avant. Ça pue la merde. Nous tiendrons à vos côtés pour allumer le feu purificateur. Ah oui, c'est un boss effectivement. De la visite.
Maître Elias qui vous envoie. Oh, moi aussi, il y a un boss. Ils veulent tous qu'on soit ses ennemis. Moi, je t'aimais bien, mon pote. J'arrive beaucoup mieux les boss que les mobs. Ah, parce que les mobs, il y en a, ils arrivent en pack. C'est ça. Alors que le boss, lui, bah, il fait des AOE, etc. Mais quand tu comprends son pattern, en fait, tu prends aucun coup, quoi. Ouais, ou t'en prends, mais t'arrives à contrer, quoi. Oh, Elias, quel homme cruel tu es devenu. Bah là, depuis tout à l'heure, comparé à tout à l'heure, enfin. Depuis tout à l'heure, pris, comparé à tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Je me suis pris un seul coup, là. Du boss. Ça comparé au mob quand je me suis fait one shot à sans arrêt là. Ah ouais. Ouais, moi j'ai passé une des deux quêtes des deux dernières quêtes là. Ça serait ouf quand même que j'ai terminé le jeu ce soir. Toute l'histoire. Ce serait ouf, ouais. Bah, trop bien, comme ça je programme toutes les vidéos, elles sortent toute cette semaine. Et j'ai terminé comme ça, tout le jeu est sorti cette semaine. Et après, tout ce que je sortirai, ça sera juste la suite, le farm tous les deux et tout, c'est trop bien. Ouais. Allez, on va aller faire la deuxième quête de l'acte 3. Bon, t'as cassé les couilles à dire tout le temps la même attaque depuis tout à l'heure. Qui? La boss. Ah. Eridia. Oui. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle dit licorne. Elle aime les cornes, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est encore une autre de zone. Papy. De papy, carrément. Papy grenier. Et j'ai hâte de voir le endgame du jeu, quand même. Ouais. Ce qu'il va proposer, ça, si c'est juste aller dans les zones et faire le donjon, ou s'il y a des instances, des trucs un peu différents. Je suis officiellement à 105 000 PO. Plaisir ça. Voilà. Ciao.
l'impression qu'elle dit les cornes, ça me perturbe. Les cartes qui se sont traumatisées. Ça suffit pas de l'unicorne, pas l'unicorne. Toi, tu utilises des arbalètes ou pas? Non. J'utilise des sceptres. J'ai chopé une putain d'arbalète là. Mais moi, il y a marqué c'est pas pour ta classe. Alors tu arrêtes. Arrête tout de suite. Oh, je me dis putain, il y a tellement de zones qu'on n'a pas découvert dans le jeu que si vraiment la quête s'arrête avec l'acte 3 là, l'histoire, je me dis on va pouvoir explorer de dingue. Voilà. Donne-moi tes items. Yes. Merci vieille mamie. Super sympa. J'aimerais bien me lever demain matin et qu'on soit à 3200 abos là. C'est tellement plaisir ça. Très plaisir. Du coup, je vais faire une vidéo de diffusion. De quoi? J'ai entendu. J'ai dit, je vais faire une vidéo du coup. Abonnez-vous, sinon, attention. Et du coup, il y a des plein de gens qui sont là. Je veux pas savoir attention quoi. Donne-moi ton cul, ton corps, babe. Oh baby. Ton bon vieux. Ça y est. Voilà, c'est un donjon que je dois aller faire, non? Voilà. Ah, il y a un événement là, on va aller le faire. Parce que nous on aime le stuff. On aime la thune. Ouais, pff, la thune en vrai elle sert qu'à toi hein, dans le jeu. Ouais. Je me rappelle, Blizzard, ils avaient fait un truc abusé à la sortie du jeu. À la sortie de Diablo 3, ils avaient fait un système d'HDV où tu pouvais acheter les items du jeu, les ressources, ça, avec de l'argent réel. Ah ouais? Ouais. Il y avait tellement de gens qui gagnaient du fric comme ça parce qu'il y avait des teubés qui payaient avec du vrai argent. Ça avait fait polémique à l'époque. Hein. Un peu logique. Non, non, moi j'aimais bien. Ah bon? Moi j'ai jamais gagné de l'argent, mais ça m'aurait plu. Imagine dans Waven, tu peux revendre tous tes doubles contre de l'argent réel. Et c'est le seul moyen, c'est de l'argent réel. Je ne suis pas prête. Théma, on le je dirais non, forcément, parce que je suis altruiste et je pense aux personnes qui se feront arnaquer par cette bassesse vraiment pas... Oui, je fais comme ça quand tu veux. On se fait notre smig en vendant des trucs Waven, frérot. Ça serait pas le meilleur boulot? Tu fais quoi comme taf? Bon, je farm Waven. Je joue. Ouais, en vrai. Imagine, ça s'appelait Red Streamer le métier, genre. Puis il y a même des gens, imagine, ils font des vidéos, ça s'appelle YouTuber, frère. Incroyable. Putain, mais donnez-moi des items violets là, bordel.
Pas violet, orange. Putain, la zone où je suis, elle est tellement belle. Elle me fait penser un peu à la zone dans Wakfu, là, où... Tu sais, qui est rouge de sang un peu partout, là. Je vois. Tellement belle. Forteresse sans garde, mauvais signe. C'est pas sans garde, frérot. C'est qu'ils sont tous par terre morts. C'est pas la même chose. Forteresse sans garde. Bah oui, frérot. Ils sont tous morts. Ah ouais. Mais il n'a pas mentionné votre nom. Dois-je en conclure que ce n'est pas vous qui l'avez envoyé ici? Merci de venir à Orbet dès que possible. J'y suis, papy. Alors là, c'est vraiment un connard, le jeu. Ah bon ?